La France est-elle le pays le plus taxé du monde? C'est ce qu'affirme l'eurodéputé RN, Jeanlin Lacapelle. Nous sommes aujourd'hui le pays champion du monde des impôts. D'accord, 45,3% de prélèvements fiscaux. Un record d'ailleurs en 2022. Mais je crois que les Français méritent qu'on leur restitue une partie de leur argent. Comme l'ont vérifié les journalistes de France Info Radio, impôts, cotisations et taxes ont bien représenté 45,3% du PIB en 2022. Un record en France. Mais sommes-nous pour autant les champions du monde des impôts? Pour cette même année, impossible de comparer avec les données internationales, car elles ne sont pas encore disponibles. En revanche, selon l'OCDE, en 2021, la France était le deuxième pays le plus imposé au monde. Seul le Danemark prélevait plus que nous. Si l'Hexagone est aussi haut dans le classement, c'est moins dû à l'impôt sur le revenu qu'aux cotisations sociales, pour financer l'assurance maladie, l'assurance chômage ou les retraites. Les cotisations représentaient près d'un tiers des sommes prélevées aux Français en 2021. Nous sommes donc bien un pays où les impôts sont parmi les plus élevés au monde, des prélèvements qui financent surtout notre système de protection sociale.